Personnellement, en tant qu'escrimeur, premier au ranking depuis 2 ans, je vais te dire, l'escrime pour moi, c'est pas un sport. C'est pas un sport, l'escrime pour moi, c'est un jeu. Moi, je joue avec l'autre. C'est un jeu. Je fais une chose pour que l'autre fasse, mon adversaire fasse quelque chose. Tu sais, il y a des gars qui font des finales. Il y a un gars qui a fait 3e à Cuba l'an dernier, qui est de la dernière Coupe du Monde avant les championnats du monde. Ben, mon premier tour au championnat du monde, c'était contre lui. Le gars est médaillé en Coupe du Monde, moi j'ai jamais médaillé en Coupe du Monde, mais j'ai quand même réussi à gagner. Fait que c'est des victoires comme ça qui sont mes meilleurs résultats. En 2010, ça a été ma plus grande réalisation, là, dans le fond, en escrime. C'était les championnats du monde de Paris. Je me suis bien battu à l'épée, puis j'ai réussi à remporter une médaille de bronze. Puis les organisateurs ont permis que ma fille vienne s'asseoir sur moi pendant que j'étais sur le podium. Donc, pour moi, cette médaille-là, c'est de l'or. Là. Ça vaut plus que le bronze. C'est une fierté que j'ai d'avoir pu partager ça avec ma famille.